bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans cette vidéo. Alors je voulais vous présenter le produit que j'attendais tant, que j'ai commandé sur ce showroom privé que je vais vous présenter, qui est une montre connectée. Elle est noire, rose gold, donc je la laisse comme ça. Je ne vais pas vous montrer ou faire une vidéo en fait de la fonction de cette montre, je vais juste vous en parler. Surtout c'est une vidéo pour vous prévenir de ne pas faire la même connerie que moi, peut-être que vous le savez. Moi je ne le savais pas, enfin je ne savais pas si quand j'ai commandé, j'ai quand même lu dans la description sur showroom privé, donc c'était sur le site Polaroid, oui c'est ça, c'était Polaroid, et c'est la montre P-Watch, voilà, donc c'est une des dernières montres qui est sortie. Donc cette montre en fait elle est connectée avec notre téléphone portable, donc on va en Bluetooth, par le Bluetooth, elle fait surtout le podomètre au niveau du sport, elle va faire la fonction calculatrice, on va pouvoir lire nos mails, Twitter, Facebook, envoyer, recevoir des messages, appeler, recevoir les appels, enfin voilà, c'était la montre du top. Et quand j'ai vu ça et en plus rose gold, je me dis ça peut aller avec tout sur un bracelet noir, ça va être génial. Alors je vous l'accorde que c'est très imposant, si je peux quand même la défaire de là, vous montrer, c'est quand même imposant, hein, mais bon ça, voilà, ça peut être sympa, enfin moi j'aime bien. Et puis comme je suis très technologie, très geek, j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinaire. Et là quand j'ai vu ça sur showroom privé, je me suis dit bah je vais commander, je me suis dit pense à regarder si c'est compatible. Alors sur le site, je suis pas allée sur le site et c'est un tort que j'ai eu avant de commander, parce qu'il faut aller très vite dans ces cas là parce que c'est une belle promotion. Normalement cette montre vaut aux alentours de 99 € et je l'ai eu avec les frais de port à 42 €, et là ça valait vraiment le coup. Et donc je me suis dit regarde surtout si la compatibilité, donc c'était avec Android, ça fonctionnait avec tous les Android, il n'y avait pas plus d'explications, il y avait iPhone plus iOS et Android, donc vu que je me suis dit bah voilà ça va fonctionner tout ça. Et en fait quand je l'ai reçu, alors la première chose que j'ai fait c'est tout de suite les appels, donc j'ai pris mon téléphone fixe, impeccable, ça marchait bien. Je l'ai connecté en Bluetooth via mon téléphone, ça a super bien marché tout de suite et tout. Par contre, là où j'ai vu ça merder, je me suis dit c'est bizarre parce que j'entends les notifications de mes mails et de Facebook, mais Twitter et tout ça, je ne vois rien sur la montre. Je me suis dit il y a peut-être, parce qu'il y a une notice et je ne l'avais pas encore lue bien évidemment. Donc je me suis dit il y a peut-être un truc à faire. Je prends la notice et là je vois qu'il faut aller sur notre Play Store et télécharger des applications. C'est ce que je fais. Et une fois que je rentre dans l'application, ça me met que c'est pas connecté. J'ai sous ma poire la montre, elle est connectée. Bref, j'ai tout lâché, j'ai revu ça le lendemain. Et le lendemain, au final, je suis allée sur des forums, je suis allée même sur le site de Polaroid et même sur le site de mon téléphone. Et faut bien faire attention, même s'il y a écrit Android, sachez que ça, ce n'est pas compatible avec tous les Android. Moi j'ai un Galaxy Samsung Note 3 Lite, c'est parce qu'il est petit, et ce n'est pas du tout compatible pour les Samsung Note, pratiquement tous les Note. Et après j'ai fait plus de recherches, je suis allée sur des forums, donc les gens, il y en a beaucoup, il n'y a pas que moi qui se fait avoir et qui sont dégoûtés en fait. Mais pour nous, il y a une montre qui s'appelle Samsung Galaxy Gear, G-E-A-R, et il y a aussi maintenant 2, mais moi c'est Gear, c'est pas, il n'y a pas le 2, il faut que je trouve une montre voilà compatible. Mais la montre elle vaut au moins plus de 300 €, donc là il en est hors de question. Je me suis dit je vais aller faire un tour sur AliExpress parce qu'en général on trouve des petites choses et tout. Donc j'ai pris plein de montres et tout, j'ai envoyé plein de messages aux vendeurs et j'ai eu des résultats positifs. Et ce qui est bien sur AliExpress, c'est que c'est écrit, c'est bien écrit avec quoi votre montre peut être compatible. Quand c'est pas écrit, j'ai un doute, j'envoie les messages. Mais je redemande quand même si c'est compatible. Donc je n'ai pas encore fait mon choix pour en recommander une autre. Et là, il y en a à entre 36 $ et 72-75 $. Donc je me dis, bah, le prix limite de elle en solde, de showroom privé, hein, bien évidemment. Donc voilà, pourquoi pas. Bien sûr, livrer dans un mois et demi, voire 2 mois. Vous savez qu'avec AliExpress, il ne faut pas être pressé. Hein, bah, de toute façon, c'est pas d'ici. Mais bon, bref.
Voilà, donc simplement, cette vidéo-là, c'est une vidéo d'information. Je me faisais un plaisir de vous faire une vidéo parce que j'ai trouvé des tutos sur YouTube et c'est génial quand on reçoit un produit, qu'on ne sait pas le fonctionnement, quand on fait nos recherches, voilà, du coup, bah, j'ai tapé sur Internet le nom d'un monde, j'ai trouvé des tutos sur YouTube et c'est le top. Et c'est ce que je voulais vous faire. Donc voilà, j'espère pour celles, parce que je sais que j'avais mis une photo sur le Facebook, voilà, pour celles qui l'ont reçue, ça va être compatible. Donc moi, je vais la revendre. Alors toutefois, au cas où, s'il y en a que ça intéresse, vous avez donc bien sûr en bas, vous avez pour me joindre sur Facebook, vous avez me joindre pour le... Facebook, oui, voilà, et YouTube, voilà, sinon après je vais la mettre sur Bon Coin. Elle est neuve, voilà, je l'ai déballée, j'ai remis tout, heureusement que j'avais tout gardé, donc voilà, et allez vous renseigner exactement si votre téléphone le fait, et ensuite, bah, contactez-moi si vous voulez, mais en tout cas, moi je vais déjà la mettre aussi sur le Bon Coin, parce que je vais pas garder une montre. Alors les appels, oui, ça fonctionne, mais moi ce qui m'intéressait, en fait, c'est surtout avoir aussi mes notifications et pouvoir envoyer des messages, voilà. Donc, je préfère quand même vous prévenir que d'acheter encore des montres et que ça ne fonctionne pas. Alors, je le dis aussi pour celles qui sont intéressées, sur la montre, comme je la vends, faites bien attention que ça soit bien compatible avec votre téléphone. Donc, allez sur le site de Polaroid, fouillez un peu partout avant de me la prendre parce que je ne vous la reprendrai pas. Une fois qu'elle est vendue, elle est vendue. Voilà. Donc, moi, simplement, cette vidéo, c'est surtout pour vous dire, faites attention. C'est vrai que là, sur showroom privé, c'était vraiment l'idéal et tout, mais faites attention quand vous achetez un produit. Je me suis fait avoir avec mon appareil photo aussi. J'avais bien demandé au vendeur si c'était compatible avec mon ordinateur, le logiciel Windows Vista. Il m'avait dit oui. Eh ben non, ça y est pas. Faut tout vérifier par soi-même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo-là vous servira. Je vous fais plein de gros bisous. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Si ça vous intéresse pas, prenez l'info. Il n'y a pas de souci. Je m'en dépatouille. À bientôt. Smile and Zen.